Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Ah bah oui, voilà. Et on peut pas passer à côté. Vous l'avez forcément entendu. Ben oui, en français, en anglais, en russe, chez Disney, à la télé, en voiture, aux toilettes. On ne peut pas échapper à cette chanson. Une fois qu'on l'a entendue, ça reste dans la tête, hein, écoutez. Voilà, hein, y a pas de raison que je sois le seul à gâcher ma journée avec ça dans la tête. Vous aussi toute la journée. Nanana, nanana. Hein, et puis ça m'énerve, c'est toujours le même passage qu'on fredonne ensemble. Le même passage. La bande originale du film La Reine des Neiges. C'est actuel en plus, avec la neige qui est tombée. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui, Reine des Neiges. Et puis il nous prépare le deuxième volet en plus de dessin animé. Bon, c'est un vrai phénomène, hein, en Angleterre par exemple. Les CD prénoms de deux personnages du dessin animé qui ont été les plus donnés aux bébés cette année. Quand ils seront grands, tu sais. Moi, mon prénom, je l'ai eu en hommage à mon grand-père. Il était résistant pendant la guerre. Et toi? Moi, c'est dans La Reine des Neiges. Chez Disney. C'est comme si je m'appelais Mickey, quoi. Ah, c'est tellement un phénomène que même les chiens le chantent, cette chanson. Écoute, c'est une vidéo sur le net. Bête, va. Faut faire quelque chose. La Reine des Neiges, c'est la poupée la plus commandée au Père Noël pour ce Noël, justement. Un véritable phénomène. Bon, puis c'est mieux que Violetta encore, hein. Tiens, remets-moi un petit coup de... Nanana, 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 nanana. C'est bien, c'est que même les gens qui chantent faux chantent cette chanson. C'est moi le premier. C'est cool. On peut plus. Aidez-moi. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.